Même pas si nous sommes mauvaises, voilà. Et permettre moi de nous, ça faut que nous ressaisissons. Parce que donc, nous, ça c'est au seuil des débats. Ça fait que nous avons ressaisissons. Je pense que nous devons ressaisissons. Merci beaucoup. Je vais permettre, sénateur Franceney, continuer. Et après ça, je vais faire un point. Merci, président. Nous sommes, président, là, nous avons pris en fonction, nous avons juré pour nous acquitter de tâches, nous, pour nous maintenir et sauvegarder les droits du peuple, les droits du peuple. Et pour nous être fidèles à la Constitution. Fidèles à la Constitution, hein? Ça veut dire pour nous respecter et faire respecter. Et c'est sous ça, président, nous Chita, qui fait nous portons pour nous garder est-ce que l'article 172, là, alinéa 1, est respecté. Et c'est ça qui a lieu à débat ça que nous avons fait là. Nous garder rapport commission hein? Moi même tout moi gagné de par la voix de la presse président semblait me t'étendre collègue sénatus te dit gagne un ministre qui gagne un salaire 64 000 goud, mais qui déclaré seulement 20 ou 25 000 goud. Nous devons que plus éclaircir pour nous. Deuxièmement, président, commission lan sous question des charges là. Li divisé dossier ministre et secrétaire d'État en yon parti qui était déjà occupé poste là, qui pas besoin de charges. Et il dit, si vous avez besoin de charges, c'est seulement pour gestion antérieure. Et nous voyons qui ont même besoin de charges si vous avez géré l'argent d'État. Et le deuxième volet, il répond à la question, il dit, la Cour des comptes dit que Mounsayo n'a pas géré l'argent d'État, il n'a pas besoin de charges. Mais premier volet, il a dit, ministre, il est là. C'est vrai que vous n'avez pas besoin de charges pour gestion que vous avez fait et pendant que vous reconduisez, mais par contre, il n'est pas dit. Si le Cour supérieur des comptes te dit oui ou non, vous avez besoin de charges pour gestion antérieure et si vous avez besoin de charges, est-ce que vous joignez des charges? Ça. Donc, c'est une question ça, que la commission a éclairci pour moi. Un, collègue sénatus, clarifier question fausse déclaration. Est-ce que la Cour des comptes, en ce qui est ministre reconduit, est-ce que gagne là donc tu as besoin des charges pour des gestions antérieures et est-ce que vous gagnez des charges? Merci beaucoup. On a précisé après présentation rapport commission, hein, c'était impératif pour que c'est vrai que commission travail pour l'Assemblée. Elle recommandait l'Assemblée pour que vous mettez de côté M. Osner parce que il a une double nationalité. Il est aussi vrai que l'Assemblée a capable besoin d'approfondir un point quelconque qui consigné dans le rapport là, dont remarque pertinente ça que sénateur Franceney souhaite faire. Et s'il t'a révélé que gagnait des mesures que nous t'es capable de prendre, nous devons toujours consulter l'Assemblée véritablement pour l'adopter en mesures qui allaient au-delà de recommandations commission. Mais tel n'est pas le cas pour l'instant. Nous ne pouvons pas faire un débat sur le fond, sur la forme et autres, etc. Mais il est important que de quelques sénateurs qui t'a souhaité faire conviction yo sous rapport là, au moins adresser à membre commission yo. Par exemple, est-ce que un ministre, tant que le ministre de la Justice qui est là, ou le ministre de l'Intérieur qui antérieurement était occupé en fonction,
qui était qu'à nécessité des charges, est-ce que effectivement il était gain des charges de gestion antérieure pendant que pas de gain continuité dans gestion. Il est normal pour que question ça allait adresser. Et sur cette base, notamment des commissions pour les réagir à question ça. Merci, Président. Alors, c'est par mégarde. M'a prédit encore, nous sommes mauvaise voie. Nous obligés de traîner, suivons sur mauvaise voie. Motion, Président. Motion sur mauvaise voie. Parce que je beaucoup dit rien. Beaucoup dit rien. Oui, ma, c'est sous l'île, je pas avancé. Motion accordée. Motion accordée. Président. Je dis à nos populations qui regardent nous. Pas de route, pas bois. Tout le monde détendait. Bon, bon ministre qui était levé la nuit à payer taxes. Je pense que la commission a venu avec l'ISM ministre à partir de demande qu'elle t'y fait. Je dis à me penser, l'important pour nous gagner l'ISM ministre qui t'a payé taxes là et pour la population, ouais, qui comportement assemblée à Bralien face à ministre. Parce que pendant que nous avons taxé la population, nous avons mis pile qualité, toute qualité bill sur toute qualité taxe sur je dis à nous-mêmes, comme nous avons voté, nous n'avons pas qu'à camper pour nous venir voter des gens qui ont payé la nuit. Et je pense là, je dis à l'important pour nous gagner l'ISM ministre qui a payé la nuit. Non? Et pour la population, regarder qui ça nous-mêmes, comme parlementaires, nous pouvons le faire. Est-ce que nous avons voté comme ça, le peuple a tout connu lui-même pour ne pas entrer dans le pays taxe. Ou bien enregistré ici en là, bon exemple cap tracé et peuple à suivre exemple ça. Merci beaucoup, Président. Continuez, Président Commission. D'accord, merci, Président. Sous question, collègue moi, Denise, qui ça nous voulait dire sous même mauvaise voie nous conduisons là, m'a dit. Nous sommes allés à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en personne. Non seulement la commission est allée, mais moi-même, comme président de la commission, j'ai été déplacé en personne à la Cour supérieure des comptes. Regardez la loi, il y a un nègre qui était directeur général, il n'est pas ordonnateur, il n'est pas comptable des deniers publics. À moins que le nègre lui-même ait gagné un programme. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu de sérénité. À moins que le général Satagien ait un programme, lui-même il a dirigé. Maintenant, quand tout secteur général nous gagne, qui monte, nous pas gagné un seul qui était dans le cas. Maintenant, il y a un cas qui mérite d'échange, c'est le cas dans le dossier qui a été soumis à l'attention de la commission. Ça fait que je dis là, problème d'échange là, pas posé pour aucun monde qui là, parce que les gens qui en portion, nous d'accord, ils n'ont pas besoin d'échange parce qu'ils ont encore ordonnateur. Nous pas qu'à mettre nous t'a dit dans la rubrique avoir été dans la constitution en dit eh bien problème de charge là pas posé dans cas ça. Merci beaucoup président de la commission. Pour question s'il vous plaît. S'il vous plaît président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. OK. Et deuxième volet question, par contre si collègue sénateur jusqu'à préciser pour nous vous si c'est président. C'est, on dirait si ça me détendait dans la radio. Gagné, il y a un ministre qui t'a déclaré lui toucher 25 000 gouttes alors que lui touchait 375 000 gouttes. Nous m'arrêtons mes questions à clarifier. Ok. La commission s'enchaîne, nous prenons le bail, collègues. Nous... Collègues là.
En matière fiscale, le corollaire du système déclaratif d'impôt est le contrôle et la vérification. Ça veut dire, un citoyen doit déclarer impôt sur revenu par lui. Il a toujours dit l'État, c'est 100 goûts de rentrée. Il a toujours dit l'État, c'est 200 goûts de rentrée. DGI, il a accepté 100 goûts de 200 goûts, citoyen vient déclarer la caille. Mais qui ça la loi dit en retour? La loi dit, c'est vrai, DGI a accepté déclaration citoyen ça, mais DGI gagne tout. Il a un pouvoir discrétionnaire pour au moins l'IA. La vie monter jusqu'à 5 ans pour la garder déclaration citoyen sanitaire. Ça fait que c'est ça même qui fait nous exiger pour remonter jusqu'à 2012 pour garder déclaration tout citoyen ça a été fait. Et dans le cas ça qui ça la sanction qui si on pas payé ou bien déclaration n'est pas conforme. La loi mandé pour yo faire moun nan payer yon amende pour payer des pénalités. Et c'est ça nous même nous t'ai exigé puisque déjà il même il fait ça nous le redressement, il remonté pour 5 années ça nous dit la loi bay pouvoir discrétionnaire ça. C'est ça qui fait me penser il t'ai relé moun sa yo pour dire yo eh ben dans déclaration nous t'ai fait pendant 5 ans ça. Gayen nan yo qui pas tellement correct, nous t'ai manqué payer. Mais qui s'amjouen nous doit payer plus. Si qu'on y a là, après prescription 5 ans ça, eh bien c'est là ça yo ka prend mon nom pensé pour fraude fiscale. Et je dis à là, moi pas rentré dans logique pour moun pa vle payer taxe. Tout le monde connaît très bien président commission ça qui c'est sénateur lui on dit toujours à mentir en dedans pays ça. Pour quel que soit mon nom payer taxe li normalement parce que pas grand quel pays qui ka vivre sans taxe. Pas qu'un pays qui a vu sans taxe. Et taxe veut dire contrepartie des services rendus. Les n'a demandé service pour population, n'a demandé pour yo bay moun yo dlo, pour yo bay yo courant, pour yo bay yo et l'école, pour yo bay yo université, pour yo bay yo l'hôpital. Mais c'est pas deux bras nous pral ouvrir pour l'argent tomber, pour yo retourner service ça au bay moun yo. Ça que l'argent et avec l'argent c'est l'argent taxe moun yo même yo payé a pour yo retourner service ça au bay moun yo. Ça fait que premier défenseur eh bien moun yo qui pour t'amander pour tout monde payer taxe dans pays a, c'est sénateur lui onoti. C'est une raison fait nous très rigide et commission était très rigide dans ce sens là. Mais je dis à là, nous pas qu'à nous t'a dit éliminer commissaire ou bien sous commissaire pas qu'à prendre des pas au même pouvoir pour merci. Éliminer ça. La loi dit qui c'est redressement. Or, DGI lui même qui a remonté jusqu'à 5 ans, c'est ça DGI fait. Je dis à nous pas qu'à remplacer DGI. Au contraire, nous ouvrions brèche, nous ouvrions chemin. On y a là pour DGI regarder. Taxe tout le monde paye en dedans pays il y a depuis 5 ans et comme ça tout le monde qui pas de paye motion côté sénateur côté président côté député de façon pour nous cacher une cop pour nous retourner motion président accordé au sénateur Kedler. Moi pratiquement pour aller dans le même sens avec sénateur au nom de Dieu pour me dire que d'accord une grande contradiction merci qui t'es respecté pour me dire seulement que d'accord que nous sommes capables de joindre la forme au fond pour nous faire un seul débat, nous n'avons pas besoin de faire deux. Mais cependant, comment entrer là-dedans, nous entrer là-dedans. Ma petite sénateur, au nom de Dieu, c'est vrai que la loi a parlé de redressement et que son plan strictement formel et légal, l'autorité habilitée à faire la lumière sur une question, c'est lui-même qui vient pour faire le temps pour DGI. Mais cependant, au Parlement, nous acceptons qu'il ne s'agisse pas un vote légal lié, nous ne pouvons pas être menti. Ce sera un vote politique qui ne va pas le faire véritablement sous contrôle pièce, il ne va pas le faire sous déclaration politique générale. Et par aucun côté, je dis, je ne vais pas analyser déclaration politique générale que. Côté ban. Coup d'œil pour me garder, même si le tabel moi le bon. Mais est-ce que moun capable d'accomplir là ben me garantit déjà et dans cas ça moun qui t'a fait ça moi le gros problème politique grave mettez en doute sous capacité pour mettre en œuvre bel programme que peut-être n'a pas ratifié là. Donc par conséquent c'est vrai que m'pa mande commission pour prendre responsabilité pour le décider mais ça doit retenir attention
nous l'on a fait votre déclaration politique générale là pour nous connaître. Est-ce que des mouns qui fait ça, est-ce que nous avons fait confiance pour la exécuter un bagage, nous t'as jugé qu'il y a bon pour payer à véritablement. Donc pas rien qui empêchait que nous jouions ça dans la forme là, nous avons décidé sous déclaration politique générale là. Merci président. Merci beaucoup. Sénateur La Tortue, nous avons rappelé que l'État impératif nous écouter vraiment intervention yo, et pour nous aller dans sens ça que nous-mêmes nous mettons nous d'accord pour nous faire, en façon pour nous bailler tête nous le temps nécessaire pour nous tendre déclaration politique générale là, et c'est sous déclaration politique générale là nous gain et déclaration politique générale là que nous gain pour nous sanctionner. Sénateur La Tortue. Merci président. Moi salue le bureau. Moi salue tous les collègues yo. Premier ministre là avec ministre qui là yo. Président, dans le rapport commission m'appli dans page 6, il dit que les cadres de la DGI ont constaté des irrégularités. C'est pourquoi les ministres concernés ont été appelés par la DGI afin de venir fournir des explications supplémentaires. On croit que le sénateur Bélizère pose des questions et ne va pas répondre. Qui ministre qui a gagné irrégularité ça? Dans l'irrégularité, nous avons joué une fausse déclaration, nous avons joué une fraude fiscale. Donc, à joindre évasion fiscale ou faux documents, fausses pièces. Moi, je crois qu'en Haïti, nous avons un système déclaratif. Il n'est pas criminel quand vous êtes aux États-Unis. Peut-être qu'il faut nous pencher sous loi. Mais nous disons, président, est-ce que c'est arrivé qu'il y a un ministre qui a une fraude fiscale, évasion fiscale, légalement, qui a fait un redressement? Mais est-ce que politiquement, moralement, nous avons voté pour l'exécution de la déclaration politique générale? Fraude fiscale, évasion fiscale. Pendant que nous avons une situation côté majorité budgétaire, eh bien, il n'y a pas quand même satisfait le fonctionnement. Nous. Donc, moi, j'aimerais qu'on ait clairement, pour la commission répondre clairement, qui ministre et qui irrégularité qui connaît. Motion, président. Allez-y, sénateur. Collègue, mon petit désaccord. Tobiti avec vous, c'est pas seulement bah, il faut document et puis il va en prison. Je dis à vous devant nous là pour nous juger sous lui. S'il fait document, c'est son crime lié, il faut en écriture publique, c'est dans prison placé d'adoué. Merci. Très bien. Et collègue Augustin, c'est une motion de renforcement. Donc, président. Seulement, là, nous vérifier si c'est délibérément que nous fournissons faux documents. Non, l'élément intentionnel doit être là. Les trois éléments de l'infraction. Non, président, on reprend. Dans mes commissions, dit qui ministre et qui irrégularité. Question claire. Et dans mes répondre. Deuxième intervention, président. Je dis. S'agissant des nouveaux ministres et secrétaires d'État, une requête a été adressée à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif afin de vérifier que les ministres et secrétaires d'État nommés par le dit arrêté ont reçu des charges de leur gestion en cas où ils auraient été ordonnateurs ou comptables des deniers publics. Nous comprenons, président, que le ministre qui est en fonction n'a pas besoin parce qu'il dit si vous avez été et pas si vous êtes, très bien. Mais si quelqu'un dans le gouvernement qui était ministre depuis avant, est-ce qu'il y a eu des charges? Et je me la commission, je me des charges que quelqu'un qui était ministre déjà gagné. Dans le cas ça, je me remets la deuxième question. Mandé et commissaire là, s'il va révéler des gens qui étaient là, qui étaient ministres depuis longtemps, et qui là, qui est-ce qu'il y a eu des charges? Non, ma bade, absolument, et où t'as fait travail là. Donc,
Président, deux questions claires. La liste des ministres et des irrégularités et les décharges, en cas que, il y a quelqu'un qui a quitté ministre déjà ou qui était géré propre dans l'État à un titre ou à un autre. Merci, Président. Commission. Technicien, s'il vous plaît. J'ai une question micro là. Technicien. Poul cap bail là, ouais, Poul. Allez, sénateur, vous avez la parole. Un cadeau là, renfort, pas fatigué.